Remarque, entre nous, l'anglais, c'est dur quand même. Tu vois, qu'est-ce que c'est dur. Remarque, les maths, c'est dur aussi, les maths. Hein? Attends, et la physique? C'est pas dur, la physique? Oh là, moi, j'étais nulle, j'étais mauvaise. Partout. Non, non, mais l'école, c'est quand même beaucoup de pression, hein. Moi, tu vois, je pense que quand j'aurai une fille, eh ben, je serai une mère super cool, hyper zen. Et puis surtout, je lui foutrai la paix, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, toi, là? Tu travailles? Bah, tu peux travailler, toi. Ça, c'est sûr. C'est clair. C'est même évident, hein. Parce que là, faut y aller maintenant, faut y aller tout de suite, faut pas perdre de temps, hein. Parce que là, on y va, mais là, on va où, là? 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 Là, on va droit dans le mur, hein. Et la tête la première, hein. Non! Je te le dis parce que je te le dis, clitorine, là! Je te le dis parce que je te le dis, clitorine, là! Alors! Qu'est-ce que c'est, ça, là? Tiens, et puis donne-moi ça, je vais te faire réciter. Eh ben, raison de plus si tu comprends rien, alors! Et arrête de souffler comme ça tout le temps! Gamme-moi ça! Elle a aucune tenue, ta feuille! Alors, philo. Zophie, philosophie, déjà, pour commencer. C'est un mot, bon sang. Dissertation, 2 points. Doit-on d'abord savoir dire oui avant de savoir dire non? Doit-on d'abord savoir dire oui? Ouais. Avant de savoir dire non. Non. Eh ben bien sûr. T'as répondu quoi, toi? Oui. Non, mais attends. Tu ne réponds pas à la question. On te demande de répondre par oui ou de répondre par non. Tu ne réponds pas à la question, à être toujours indécise. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors balaye un petit peu dans ta porte plutôt que de regarder l'herbe du voisin. Tiens, ben note-le, ça, c'est des bonnes citations. Note, ça peut donner des points, ça c'est bien, ça c'est... Mais note! Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade, clitorine, réponds-moi. Mais j'ai la bouffée, cette gamine! Moi, je ne sais plus quoi faire. De toute façon, je te le dis, avec ton père, on est vert. Hein. Ah, je te le dis. Avec ton père, on est vert. Je te le dis. Avec ton père, on est vert. Mais vert. On est vert. On est vert. On est vert avec ton père. Avec ton père, on est vert. On est vert. Le dernier bulletin, on l'a là. On l'a là. On l'a là, le dernier bulletin. Hein? Alors le troisième trimestre, hein, c'est maintenant. Hein? C'est pas dans 15 jours. Hein? Oh, c'est dans 15 jours, on a tout le temps. Non! Parce que le troisième trimestre, entre les vacances, les ponts, les si, les mi... Le troisième trimestre, il va passer comme ça, le troisième trimestre. Tu te tais! Ça ne m'intéresse pas, le résultat des autres. Elle a eu combien, Mélanie? 19? Oh. 19, elle a eu... Et toi, t'as eu quoi? T'as eu moins 10? Je rigole, mais ça me fait pas rire, hein. Mais pourquoi? Parce qu'elle travaille, elle. Elle bûche. Elle prend le créneau. Elle passe pas ses soirées devant la télé à regarder les Derepere Slice Wives. Non, s'il te plaît. Cette série américaine stupide. Tu crois que c'est les Derepere Slice Wives qui vont te décrocher le bac? Parce que je le sens, le redoublement clitorine. Je le sens. Et je le vois venir comme une grosse maison. Je le vois venir, le redoublement clitorine. Comme une grosse maison. Je le vois venir, le redoublement clitorine. Hein? La redoublante, plus vieille que les autres, au fond de la classe, près du radiateur, comme une clochard imbécile. Mais bravo, la redoublante. Et nous, on lui donne tout à cette petite clocharde. Si on te donne tout.
C'est moi qui parle. Alors on verra quand t'auras 18 ans, pour l'instant c'est moi qui décide. T'es sous mon toit, c'est moi la commandante. Alors... Oui, hey, oh, je sais peut-être pas siffler, mais moi je suis pas ta boniche. Hein. On n'est pas à l'hôtel ici, au Buffalo Grill. Et fais-moi une pizza, et je veux un hot dog, et je veux une viande grillée, achète-moi des slips, prends-moi des collants. Madame est servie? Nous on te donne tout et toi tu ne donnes rien. Non, tu ne donnes rien, pas... Ça... Tu vois ce que tu fais faire? Demande-tu à ta camarade de classe, Marie-Pierre, si elle a autant de chance que toi. Hein, parce que vous êtes tous là à l'appeler tête de fion, tête de fion. C'est pas gentil en plus. En attendant, tête de fion, elle a 18 de moyenne, tête de fion. Alors moi, je vais te dire, alors moi, avec des notes pareilles, je la veux bien la maison, tête de fion. Je l'accueille, tête de fion. Je lui dis, entrez, tête de fion. Prenez place, tête de fion. Une tranche de cake, tête de fion. Voilà ce que je lui dis. Qu'elle est sans abri, en plus. Tu crois que c'est facile pour tête de fion de faire ses devoirs dans une tente avec un richon, une lampe de poche? Est-ce que tu crois que c'est facile pour tête de fion? Kitorine, je te pose la question, est-ce que tu crois que c'est facile pour tête de fion? Ok. La discussion est close. Que nous, on te gâte tout le temps. T'as voulu la même thème d'eau, t'as eu la même thème d'eau. T'as voulu la place à chance, t'as eu la place à chance. T'as voulu le scotter, on a eu le scotter. Non, le scotter. Le scotter, ton scotter, que t'as eu pour ton anniversaire, ton scotter. Non mais dis donc, et aussi j'ai envie de dire scotter, je dis scotter. Hein. Je dis ce que je veux. Alors au lieu de te rouler des galoches avec Nicolas, tu ferais mieux de te préoccuper de tes études. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Ah non, Michel, ne t'en mêle pas. Hein. Ah non, écoute, c'est ma fille aussi, j'ai quand même le droit de lui crier dessus. Non, Clitorine, on t'a pas demandé ton avis. Mais pas du tout, mais... Clito, je parle. Mais arrête, Michel, enfin... Non, ça suffit maintenant. Mais quoi, alors? Alors vous êtes tous les deux contre moi. Mais alors moi, si c'est ça, je donne plus mon avis en tant que mère de famille, hein. Je dis si c'est ça, moi, je donne plus mon avis en tant que mère de famille. Mais j'ai jamais dit ça non plus, Michel, ne me fais pas dire. Bon, allez, je parle plus, c'est tout, hein. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, attention, ma petite pupus, avec les résultats que t'as en ce moment, il faut que tu mettes les bouchées doubles. Voilà ce que je lui ai dit. Il y a la poupe star ce soir, il y a le prime, on regarde tous en famille. Bon, bah, je fais un petit plateau télé, alors. Vous voulez manger quoi? Un hot dog, une pizza, une viande grillée? Bon, bah, je vais préparer tout ça, alors. Et pas 3 heures pour venir, hein! Quand je dis à table, c'est à table!